Bonjour, donc je suis Lionel, le charpentier du village. Avec mon collègue Mathieu, on s'occupe de l'entretien de tout ce qui est en bois ici. Donc on travaille avec des outils anciens pour préserver le savoir-faire de nos ancêtres et pour mettre en valeur les outils qui sont dans nos collections, qui sont pour certains des pièces rares. Donc on entretient à la fois le patrimoine bâti, donc les maisons et les infrastructures, mais aussi tous les objets, tous les outils et le matériel roulant, c'est-à-dire les charrettes. Notre métier est très vaste. Alors là, on vient de finir de remonter la charpente d'un séchoir à tabac qui a été démonté à Lipsheim. On est en train de faire l'aménagement intérieur, donc les planchers, mais aussi le système de volets qui permet d'aérer plus ou moins afin de sécher le tabac. Le deuxième projet qui est en cours, c'est le montage d'une pharmacie dans la maison d'Ilkirch. Donc vous pourrez voir l'escalier qu'on vient de terminer. Et là, on va commencer à poser un plancher sur des poutres qu'on appelle des solives. On la taille avec des outils tels que cette grande scie qui s'appelle le passe-partout, ou des outils plus connus et encore utilisés actuellement comme un ciseau à bois, un maillet, un rabot, une bise aiguë par exemple. Ensuite, il y aura tous les meubles de la pharmacie qui seront à restaurer pour pouvoir recréer l'ambiance d'une pharmacie d'autrefois. Je suis charpentier par passion du bois et je suis arrivé à l'écomusée un peu par hasard. J'aime beaucoup l'ambiance et surtout ce que j'aime dans ce boulot, c'est que ça a du sens. On a une mission de conservation et de restauration qui me tient vraiment à cœur.